Je ne compte pas le nombre de potes que j'ai qui ne savent pas organiser leurs fichiers. Ils ont des dossiers partout, des raccourcis en tous les sens, et on s'y retrouve pas. Et quand on est créateur vidéo, on a pas mal de rush à traiter, pas mal de gigas qui traînent un peu dans tous les sens, et il est important de pouvoir bien s'organiser au niveau de ses fichiers. Et c'est ce qu'on va apprendre à faire dans cette vidéo. Juste avant que tout ça ne commence, je tiens juste à vous dire que c'est pas l'organisation ultime que je vous propose, c'est juste mon organisation à moi et je vais vous expliquer comment moi je procède. C'est une organisation que j'ai bien réfléchie et est très efficace. Donc premièrement, je divise mes données en trois parties. La première, c'est le disque dur actif de travail. C'est là où je mets tous mes travaux en cours, donc professionnels ou personnels. La deuxième partie, c'est la partie archive. Donc une fois que j'ai terminé un travail, je le mets dans la partie archive. Comme ça, tout s'organise assez efficacement. Et enfin, la troisième partie, c'est la partie sauvegarde. C'est là où je vais faire une sauvegarde de mon disque tous les mois, parce qu'on n'est jamais à l'abri qu'il y a un problème au niveau du disque qui crame ou qu'on nous le vole ou qui se casse. Voilà. Donc en ce qui concerne la partie disque de travail, ça se divise encore en deux parties, la partie personnelle et professionnelle. Donc dans la partie personnelle, bah, je vais mettre tous mes projets en cours perso, pour mes parents, pour mes amis, donc voilà, tout ce qui est relatif à ma vie personnelle. Et dans la partie professionnelle, bah, vous l'aurez compris, c'est tout ce qui va être relatif à mes productions professionnelles ou alors pour le projet MS Design, pour des vidéos, pour des tutos, etc. Maintenant, pour la partie archive, c'est exactement le même principe, ça se divise en deux parties, la partie personnelle et professionnelle, vous l'aurez compris. Donc la partie personnelle, je vais stocker tous mes documents personnels, que ce soit les photos et vidéos de vacances, les photos de soirée, tout. Enfin bref, tout ce qui concerne ma vie perso encore une fois. Et les archives personnelles, bah, c'est là où je vais stocker bah, toutes mes productions pro ou les vidéos que je fais pour la chaîne ou pour d'autres projets pro. Et enfin la troisième partie, c'est la partie sauvegarde. Bah, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, tous les mois, je fais une sauvegarde de toutes ces données-là dans un gros disque qui a une grosse capacité. Et donc voilà, je renomme en fait le dossier en la date du jour où j'ai fait la sauvegarde. Comme ça, je m'y retrouve facilement à l'avenir si jamais j'ai un problème. Aussi, il faut savoir que je ne bosse jamais sur mon PC, enfin en tout cas sur le disque dur de mon PC fixe ou portable. Je bosse tout le temps sur mon disque dur. Ce qui fait que je peux travailler sur n'importe quel ordinateur du moment où il y a les logiciels que je souhaite utiliser, comme After Effects, Photoshop, etc. Donc c'est extrêmement pratique quand je veux par exemple travailler à l'UT et que j'ai pas mon PC, que je veux utiliser un PC de l'UT justement, ou que je veux travailler sur le PC d'un pote parce que j'ai pas ramené le mien. Donc également sur mon disque de travail, là où je fais tous mes projets en cours, il y a également un dossier ressources. C'est là où je vais mettre toutes mes ressources dont j'ai besoin, comme par exemple les effets sonores quand j'ai besoin d'un effet sonore sur une de mes vidéos, ou alors les effets, je sais pas, des flammes, des balles qui partent pour un court métrage, ou voilà. Pour tout, c'est en tout cas ce qui concerne mes ressources, tout est là-dedans. Donc je mets toutes mes ressources sur mon disque de travail parce que bah voilà, quand j'ai besoin de ressources pour faire un projet, il faut que ça soit sur le même disque. J'ai besoin que ces ressources-là soient accessibles. Donc pour l'instant, comment est-ce que j'ai organisé ça pour mes données? J'ai deux disques plutôt. J'ai mon gros disque dur qui est sur mon PC et qui est pour la sauvegarde de mon autre disque. Et donc dans cet autre disque-là, il y a les archives et les documents. C'est juste qu'en fait, j'ai pas encore acheté deux disques séparés. J'aimerais bien avoir un disque de travail et un disque d'archives. Et dans l'idéal, un disque de travail, un disque d'archives et un disque de sauvegarde. Pour l'instant, j'en ai qu'un seul, donc je fais avec ce que j'ai. Mais voilà l'organisation pour l'instant. Je m'organise sur un seul disque dur. Donc voilà, la vidéo va toucher à sa fin. J'espère que ça vous aura aidé à comprendre comment on s'organise bien dans ces fichiers et que vous allez pouvoir du coup vous en inspirer et utiliser cette méthode. En tout cas, moi c'est ce que j'utilise depuis pas mal de temps et ça m'est très utile pour l'instant. Bon, et bien sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous dire à plus et rendez-vous pour de prochaines vidéos sur MS Design. Salut !